Au niveau du résultat, je vais pas dire que je suis mécontent. 37, ça va encore, mais ça sera pas assez pour finir dans les 4 premiers, ça c'est presque sûr et certain. Mais déçu quand même parce que j'ai démarré avec 16 au premier atelier, je peux pas me permettre de faire 37 à la fin. Moi j'aime bien tout, j'aime bien, j'adore le tir de précision. Là, à mon avis, c'est parce que c'est le matin, on est encore un peu noué, donc on verra si hors pêche ça ira mieux. Être champion d'Europe, c'est mon objectif principal, mais si maintenant je viendrais à ne pas être champion d'Europe sur le tir de précision, bah, on consacre tout aux triplettes et je penserai plus au tir de précision. Collectivement, on va viser le podium et être champion d'Europe. Nous, c'est ce qu'on veut. On a l'équipe pour le faire, donc on doit être champion d'Europe. Bien sûr, alors il y a Mickaël Mazui, pointeur de tête, mais très très doué, très très fort au tir aussi quand il faut tirer une boule derrière, très concentré. Claudie Webel, qu'on ne présente plus, enfin, il est deux fois champion du monde, une fois tête à tête, une fois en triplette en 2000. Très très fort joueur, champion de France, on ne présente plus Claudie. Il est trop trop fort. Et il y a Fabrice Thoroven qui commence à se faire un nom, vice-champion d'Europe doublette l'année dernière avec Mickaël Mazui. Donc très très adroit et on verra, on va essayer de tout bien mettre une cohérence dans le groupe pour que ça se passe bien. Une appréhension, oui, franchement, je savais que ça allait être top parce que j'avais déjà vu les photos et j'avais regardé les vétérans qui se sont passés la semaine passée. Et ouais, le cadre est top et les bénévoles ont super bien travaillé. Franchement, ça va être un beau championnat d'Europe.